Au sommaire de ce 7 minutes, le RHDP revendique plus de 2 millions de militants. Et enfin, la ministre Euphrasie Yao présente son œuvre. 2 301 500, c'est le nombre de militants que revendique le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Nous revendiquons 2 301 000 militants potentiels. Ce qui veut dire que les structures, surtout les comités de base que nous revendiquons sur la base donc des informations données par les responsables sur le terrain sont au nombre de 92 060. Selon le secrétaire exécutif du RHDP, ce nombre connaîtra un changement une fois l'opération d'identification des militants terminée. Une opération dénommée immilitant. Il n'est pas impossible qu'on soit au-delà ou en deçà. Il n'est pas impossible qu'on soit au-delà des 2 300 ou en deçà des 2 300. C'est quand nous allons finir de faire l'opération, quand nous allons boucler l'opération, si tant est qu'on peut boucler une telle opération, parce que ça, c'est une opération qui se poursuit. Nous allons donc donner des cartes à nos militants pour les identifier, pour qu'ils se reconnaissent, pour que leur appartenance au parti soit attestée. Le secrétaire exécutif du parti au pouvoir était face à la presse le mercredi 22 mars. Nommé en août dernier, il s'est prêté à cet exercice pour la première fois depuis sa prise de fonction. L'objectif était de parler de la vie du parti. Le secrétaire exécutif a annoncé plusieurs activités organisées par le RHDP dans les mois à venir. Une coalition est née pour la victoire d'Adama Big Togo, candidat désigné du RHDP pour les élections municipales à Yopougon. Elle est composée de plusieurs partis politiques, mouvements et associations de la société civile. Pour le président de cette coalition, Venance Mahan, l'actuel président de l'Assemblée nationale est le candidat qui transcende les barrières politiques. Et tous ces leaders des partis politiques que vous voyez autour de moi, qui sont le PDC, le FPI, le PPACI, le COGEP, et les mouvements et associations, et la société civile, c'est des jeunes gens, c'est des jeunes qui, c'est des frères, des jeunes, des responsables politiques qui résident à Yopougon et qui ont un intérêt à Yopougon et qui savent qu'on ne peut pas faire un choix à leur place. Ils savent ce qui est bon pour eux. Et ils savent celui qui peut incarner ce choix. Et celui qui peut incarner ce choix, il s'appelle le président Adama Big Togo. L'honorable Yaya Doumbia, qui représentait le candidat du RHDP, a dépeint un homme providentiel qui n'est plus celui d'un parti politique, mais un leader au service du développement qui vient à Yopougon pour continuer le travail de construction entamé par le chef de l'État. Depuis l'annonce de la candidature d'Adama Big Togo, dans les états-majors des différents partis politiques, ça se bouscule pour se mettre autour du candidat Big Togo. Parce que les gens considèrent aujourd'hui que c'est le candidat le mieux apte à pouvoir apporter un développement à Yopougon. Prévu en octobre 2023, les élections municipales constituent un test grandeur nature pour le parti au pouvoir qui contrôle déjà le Parlement avec une majorité des députés. De 3193 cas en 2019 à 6040 cas en 2021. Le taux de violence basé sur le genre augmente chaque année en Côte d'Ivoire. Ces violences constituent une entrave à l'autonomisation de la femme ivoirienne et l'ONG Perspective et Engender Health en ont fait leur combat. Ces violences basées sur le genre dénotent justement de l'expression des inégalités entre les hommes et les femmes. C'est encore justement un argument suffisant pour nous engager dans l'autonomisation de la femme, car les violences basées sur le genre constituent une entrave à l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. La 6e édition s'est déroulée autour de l'autonomisation de la femme, un moyen de lutte contre les inégalités entre les genres. Plus de 100 femmes ont pris part à cette cérémonie. Dès notre création, nous avons mis comme objectif principal l'autonomisation de la femme, de la jeune fille, mais également même des jeunes garçons, parce que nous avons eu à financer des projets de jeunes hommes. Donc effectivement, l'autonomisation pour nous est un pilier important en matière de lutte contre les inégalités de genre.
Donc nous savons qu'il y a des lois, si on regarde du point de vue des textes, les femmes sont sur le même piédestal que les hommes, elles ont les mêmes droits que les hommes, mais quand on regarde au quotidien, que ce soit en entreprise, que ce soit dans le secteur informel, les femmes, nous nous rendons compte qu'elles sont loin d'être égales des hommes. Donc le combat doit être poursuivi pour qu'on puisse arriver à cette égalité du genre. L'ONG Perspective a mis en place une plateforme de formation sur la gestion de budget ou encore le financement des projets et activités génératrices de revenus. Créée depuis 2014, l'ONG Perspective a pour objectif d'apporter les rudiments nécessaires aux femmes pour leur autonomisation. Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, c'est le titre du nouveau livre de la ministre Euphrasie Yahou. Elle a présenté au cours d'une session spéciale organisée par le club Toastmaster Women Leaders en collaboration avec le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. À travers cette œuvre, l'auteur retrace le parcours de sa vie, mieux, de son engagement au service des communautés. Dans ce livre, je mets en lumière mon enfance, mon adolescence, la découverte d'une terrible réalité, la perte de ma mère très tôt, quand j'avais 2 ans en l'occurrence. Donc mes tourments, mes échecs, mes victoires, la symbolique du programme Compendium, le projet Diatokro, la chaire UNESCO, mes nuits blanches, mes aspirations les plus profondes, mes craintes, mes peurs, mes doutes et ma détermination. Le livre de Euphrasie Yahou compte 203 pages. Il est vendu à 10 000 francs CFA l'unité. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information revient sur cette info.